Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bikini avec Sissi. Donc aujourd'hui, je suis super excitée de vous annoncer donc la première séance du bikini avec Sissi numéro 3. Donc aujourd'hui, on va faire une séance un petit peu différente des bikinis précédents puisque ça va être en fait une séance complète. Vous n'aurez pas plusieurs vidéos à faire, mais tout va être compris dans la même vidéo. Donc il va y avoir plusieurs circuits, trois circuits. Donc le premier, ce sera un circuit de HIIT et cardio training, donc pour s'échauffer et brûler des calories. Ensuite, il y aura un deuxième circuit qui sera du renforcement musculaire spécial bas du corps pour cette première séance avec des accessoires. Et ensuite, le troisième circuit qui sera renforcement musculaire de la sangle abdominale pour un ventre plat et des abdos bien gainés. On terminera bien évidemment par une séance de relaxation et d'étirement. Les accessoires pour cette vidéo, donc vous aurez besoin de deux haltères. Donc là, j'ai pris 5 kg, donc 10 kg en tout. Ça va être pour les fentes et les squats. Donc voilà, prenez quand même quelque chose d'un peu lourd. Hein. 2 kg, ça ne vous servira pas à grand-chose. Ou alors, vous pouvez utiliser une dumbbell. Donc là, j'ai 12 kg. C'est parti! On attaque ce premier circuit avec un échauffement cardio-HIIT. Donc le premier exercice, on place les mains sur les épaules et on va venir faire des rotations de buste. C'est parti pour 30 secondes. Donc là, le principe, c'est de tourner les épaules pour réchauffer le dos, la taille, mais sans bouger les hanches. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, il ne faut pas tourner comme ça toutes les hanches, les fesses et les jambes avec. On reste bien fixé et on tourne le buste. On inspire bien, on souffle et on gaine ses abdominaux, surtout d'une paire de coudes, tant qu'à faire. Et on s'échauffe en douceur. Allez, plus que 3, 2, 1, 0. On attaque maintenant avec des montées de genoux, 30 secondes également. Allez, c'est parti. Là, on pense bien à bien respirer. On attaque la phase un petit peu cardio du HIIT. On inspire, on souffle. On échauffe le cardio, augmenter le rythme cardiaque. On gagne les abdos évidemment. On inspire. On souffle. Allez, plus que 3, 2, 1, 0. On se repositionne. Phase de récupération. Donc les mains sur les épaules. On effectue des petits cercles. On récupère son souffle. 30 secondes également. On inspire. On souffle. On échauffe les épaules et on se repose parce qu'on va bientôt attaquer sur du talon-fesse. Allez, on inspire et on souffle. Allez, plus que 3 secondes, 2, 1 et on attaque direct sur les talons-fesse. Allez, 30 secondes également. On inspire bien, histoire de ne pas avoir de point de côté. Inspire, on souffle. On a un super beau temps aujourd'hui en plus. J'espère que vous appréciez la vue. Allez, on continue. Plus que 3 secondes. 2, 1, 0. On se positionne maintenant les bras à l'horizontale. Et on va effectuer ce mouvement. 30 secondes, c'est parti. Donc là, on échauffe également tout le haut du buste. On gagne les abdominaux et on récupère son souffle pendant ce temps-là. On inspire, on souffle. C'est beau, on est contente. C'est le tout début du BAS alors. On a encore la patate. Vous allez voir, ça va passer vite. Ça commence à chauffer les épaules un petit peu normalement, même si on n'a pas de poids. Allez, plus que 3 secondes. 2, 1, 0. On passe maintenant à des squats sans poids pour s'échauffer. Donc je vous remontre, on se positionne, pied ouverture à peu près largeur des épaules, les pointes parallèles, on descend, les fesses en arrière et on remonte. C'est parti pour 30 secondes. On descend et on remonte. Donc le but est d'avoir vraiment les fesses en arrière, les genoux ne doivent absolument pas dépasser la pointe de pied, on s'assoit vers l'arrière et on contracte bien les fessiers quand on remonte. On gaine le ventre et on garde le dos bien droit. Ça ne sert à rien de descendre trop bas, c'est pour cambrer le dos après. Il faut vraiment garder le dos bien droit. Et on n'oublie pas d'inspirer et de souffler à la remontée. Allez, 3, 2, 1, 0. C'est terminé, on se décontracte. Et on va recommencer ce circuit une deuxième fois. On recommence directement avec les mains sur les épaules et des petites rotations de buste. C'est parti, 30 secondes.
On inspire, on souffle et on gagne bien les abdominaux. Comme ça, on se fait un ventre plat en attendant. On inspire, on souffle. Allez, que 4, 3, 2, 1, 0. On enchaîne avec des montées de genoux. C'est parti, 30 secondes. On respire bien. C'est toujours l'échauffement. Allez, on tient. On monte bien haut les genoux. On inspire, on souffle. J'ai un peu de vent moi ici au bord de mer, alors ça va, ça me rafraîchit. Allez, 4, 3, 2, 1, on s'arrête. On reprend les mains sur les épaules. On respire et on effectue des arcs de cercle avec les coudes. On inspire, on souffle et on récupère. Je vois les épaules qui commencent à chauffer. Et le cardio normalement qui commence à s'emballer un petit peu. Allez, plus que 3, 2, 1, et on prend talon-fesse. Allez, c'est parti. On inspire, on souffle. On donne tout, c'est facile pour l'instant, c'est l'échauffement. 3, 2, 1, et on enchaîne directement, on ne perd pas de temps sur les squats, c'est parti. On descend et on remonte. J'espère que vous avez bien tout téléchargé l'e-book, en tout cas je vous donne des petits conseils dedans. Je vous mets la vidéo de présentation en haut de toute façon, si vous l'avez loupé. N'hésitez pas à aller voir et à le télécharger sur le site bikinialexici.com. Vous retrouvez toutes les séances de toute façon sur ce site. C'est beaucoup plus pratique que sur YouTube. Allez, on respire. 4, 3, 2, 1, 0. Et on en fait une pour le fun. On se détend un petit peu et on va passer au renforcement musculaire. J'espère que vous avez repris votre souffle, que vous êtes reposé un petit peu, que vous avez bu si vous avez soif. Et on attaque de suite avec des squats. Donc pour les squats, on va prendre une kettlebell pour ma part, mais vous pouvez prendre des haltères de la même façon. On va se positionner les pieds parallèles, donc c'est des squats normaux. Et on va venir descendre comme tout à l'heure vers l'arrière et on remonte. C'est parti pour 30 secondes. On descend et on remonte, on contracte bien les fessiers lors de la remontée. Hein. Je vous monte de profil, continuez, vous arrêtez pas. Donc on descend, les genoux ne doivent pas bouger, on descend les fesses vers l'arrière. Comme ceci. Et on rentre le ventre et on gaine les abdominaux. On descend et on remonte. Je me remets face à vous. 3, 2, 1, 0. On enchaîne avec des doubles squats. Donc là, on descend, petite amplitude et on remonte. C'est parti pour 30 secondes. On pense bien respirer. On reste pas en acné, en apnée. Allez, on gaine bien le ventre. On descend et on remonte. On respire. On souffle. Ça fait mal un petit peu là. Ça doit commencer à chauffer. Moi, j'ai fait mes séances jambes cette semaine. Donc, c'est des exos que je fais en plus. Donc, j'ai des courbatures. Si j'y arrive, vous devez le faire. C'est obligatoire. Allez, c'est terminé. Cette fois-ci, on pose l'haltère et on enchaîne sur une petite amplitude sans poids. On se positionne. On descend en bas. C'est parti. Là, le but, c'est de rester en contraction, en barre. 30 secondes également. Là, ça va chauffer. C'est pour ça qu'il faut bien respirer. Allez, on tient. On inspire, on souffle. Je sais que ça brûle, moi, c'est pareil. Peut-être même plus encore que vous. Mais je tiens. Il faut ce qu'il faut. Allez, on lâche rien, les filles. C'est bientôt terminé. Plus que quelques instants. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on remonte, on décontracte un petit peu les jambes avant de passer à l'exercice de fente. Allez, on relâche, on inspire un peu, on souffle
et on va venir chercher ses haltères. Une fois qu'on a ses haltères en main, on va venir faire des fentes alternées. On descend à gauche, on revient et on enchaîne à droite. C'est parti pour 30 secondes. Là, le but, c'est d'avancer suffisamment le pied en avant. Vous devez avoir le genou qui ne touche pas, qui n'avance pas par contre au-delà du pied, et le genou arrière qui touche presque le sol. C'est la jambe avant qui doit travailler. Donc là, on travaille sur les ischios et les fessiers de la jambe avant. Allez, c'est terminé. Dernier, on remonte. On va travailler en unilatéral. 10 répétitions. 1, 2, 3, ça brûle, hein? Allez, 4, 5, 6, on descend bien. 7, 8, c'est bientôt terminé. 9 et 10. On détend et on enchaîne avec l'autre côté. Allez, c'est parti. 1, 2, on respire bien les filles. 3, 4, 5, 6, 7, allez, plus que 3, 8, 9 et 10. On remonte et on pose des haltères. On va enchaîner sur des squats, mini fentes unilatérales. C'est parti, on se met en position, petite amplitude. Allez, on respire bien. Allez, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On remonte, on enchaîne directement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On remonte, on décontracte un petit peu ses jambes avant de passer au soulevé de terre. Soulevé de terre, qu'est-ce que c'est? Il vous faut les petites haltères ou la dumbbell. Je vous montre de profil. On se positionne, jambes tendues, non verrouillées, pieds largeur des épaules. Le but est de descendre et de remonter en contractant les fessiers et en sollicitant les ischios. C'est parti pour une minute. On descend et on remonte. Faites attention à garder votre dos bien droit, c'est très important. Si vous êtes très très raide, vous pouvez un tout petit peu fléchir les genoux. Et on contracte bien les fessiers lors de la remontée. Allez, c'est parti. On respire. On souffle lors de la remontée. Allez, on lâche rien. Plus que quelques instants, les filles. On contracte bien les fessiers. On inspire et on souffle. Je vois plein de gens qui se font bronzer en face de moi. Et moi, je suis en train de faire du sport. La vie est vraiment injuste, hein, quand même. Allez, plus que 3 secondes, les filles. 2, 1, et on remonte, c'est terminé. On se décontracte un petit peu avant d'enchaîner sur le deuxième circuit. Respirez un peu, buvez un coup, prenez votre bouteille. Et on se retrouve dans quelques secondes. On attaque un deuxième tour de ce circuit 2. C'est parti. On réenchaîne avec 30 secondes de squat. On descend et on remonte. On inspire en descendant, on souffle en remontant. On contracte bien les fessiers quand on remonte. Vous me dites souvent, ouais, mais je sens que les cuisses ou je sens pas assez les fesses. Sachez que les squats, c'est un exo qui est complet, qui travaille toutes les jambes. Allez, 3, 2, 1, le dernier. Et on enchaîne directement avec les doubles squats. C'est parti. Donc ça travaille autant les quadriceps que les ischios, que les fessiers. Ce n'est pas un exo qui cible uniquement les fessiers. Allez. Petit rebond et on remonte. On respire bien. N'hésitez pas à prendre une charge qui est en fonction de votre capacité. Vous devez pouvoir faire tout l'exercice, mais vous ne devez pas péter la forme à la fin de celui-ci. Allez, 3, 2, 1, et on remonte. On a posé la dumbbell et on enchaîne avec les mini squats, petite amplitude, 30 secondes également. Allez, on tient.
Là, vous devez bien sentir les fessiers. Allez. On respire et on souffle. Allez, on lâche rien les filles. Allez, 3, 2, 1 et on remonte. On détend un petit peu les jambes avant de passer aux fentes. On prend ses haltères. Allez, j'enlève la dumbbell. Hop. On va attaquer direct avec les fentes unilatérales alternées. 30 secondes également, c'est parti. Allez. On respire et on souffle. Allez, on lâche rien. On se tient bien droite, on gaine les abdominaux, toujours. Allez, on lâche rien. Allez, plus que 3 secondes, 2, 1, et on termine l'exercice. On enchaîne directement avec la jambe gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on remonte, on détend un petit peu la jambe arrière et on enchaîne directement. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on remonte, on pose les haltères et on enchaîne directement avec des mini fentes unilatérales. On va chercher bien loin avec le pied arrière. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0 et on remonte. On enchaîne directement, pas de temps de repos, c'est parti. Allez, on respire et on souffle. 3, 2, 1, on remonte. On détend les jambes et on attaque le soulevé de terre. On prend ses haltères ou sa dumbbell, on se positionne comme tout à l'heure, on descend et c'est parti pour une minute. On gagne les abdominaux surtout. On inspire, on souffle, les jambes tendues mais non verrouillées. Les fesses doivent descendre vers l'arrière. Allez. On inspire et on souffle sur la remontée. On contracte bien les fessiers quand on remonte, c'est primordial pour travailler sur cet exercice. Allez. On inspire et on souffle. On lâche rien les filles, ça commence à chauffer le popotin. C'est un de mes exos préférés pour travailler l'arrière des cuisses et les fessiers avec les fentes. Allez, c'est bientôt fini, le dernier. On remonte et on se décontracte un petit peu avant d'enchaîner le troisième circuit. On respire, on souffle. Allez, on se décontracte un peu. On boit un coup si on a un peu soif. Et c'est parti, on reprend sa dumbbell ou ses haltères. On se positionne en squat. C'est parti pour 30 secondes. On descend et on remonte. On souffle sur la remontée. Vous avez les fesses vraiment bien en arrière et les contracter en remontant. Et là, vous sollicitez les fessiers. On inspire, on souffle. Allez, pour quelques secondes, 3, 2, 1 et 0. On attaque les doubles squats. 30 secondes également, on descend et on remonte. Allez, on lâche rien les filles. Là, on sent bien les fessiers lors du rebond. On n'oublie pas de respirer, on ne reste pas en apnée. Allez, ça commence à travailler là. Allez, plus que 3 secondes, 2, 1, 0. On continue maintenant avec les squats petite amplitude. On va garder l'haltère cette fois-ci et on la pose quand on n'en peut plus. Allez,
on tient 30 secondes également. Allez, je la pose et on continue à vide. Ça brûle, hein? On lâche rien, les filles. Plus que quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on remonte. Là, on doit avoir les cuisses et les fessiers en feu. On décontracte tout. On respire. On souffle. On boit un coup. Et on va bientôt passer aux fentes. Allez, on prend ses haltères. Une dans chaque main et on rattaque l'avant-dernier exercice de ce circuit numéro 2. C'est parti. 30 secondes également. On inspire et on souffle lors de la remontée. Ça, c'est vraiment un circuit idéal pour le renforcement du bas du corps. Ça va vous muscler, vous faire perdre le gras, la cellulite. Vous allez avoir des jambes plus galbées, plus toniques. Et ça ne va pas vous faire prendre de volume. Allez, on passe maintenant au squat unilatéral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On enchaîne avec l'autre jambe. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On pose ses haltères et on termine avec les mini fentes petite amplitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on continue jusqu'à 15. 13, 14 et 15. On change de jambe. Toute petite amplitude. Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On remonte. Là, vous avez les cuisses en feu. C'est le moment de terminer avec le soulevé de terre. On se repositionne comme tout à l'heure. C'est parti pour une minute. On serre bien les fessiers quand on remonte. Allez, c'est bientôt la fin. On lâche rien les filles. Il reste que des abdos et du gainage après. À côté de ça, ça va être du pipi de chat. Allez. On souffle bien quand on remonte et on contracte les fessiers. On respire, on souffle, le dos bien droit. Allez les filles, on lâche rien. Respire et on souffle. Plus de quelques instants. 3, 2, 1. Et on termine avec un dernier. Et c'est fini. On va maintenant se retrouver au sol pour le troisième circuit spécial abdominaux et ventre plat. Alors préparez votre tapis. On se retrouve donc au sol avec notre tapis pour du gainage et des mountain climbers. Donc on s'installe, les coudes bien confortables là-dessus, les pieds tendus et c'est parti pour 30 secondes de gainage de face. Donc là faites attention avec vos fessiers en fait, descendez pas comme ça et soyez pas comme ça ou toutes voûtées comme ça. Il faut vraiment avoir le dos comme une planche. N'hésitez pas à vous entraîner devant un miroir pour être sûr d'être bien positionné, c'est très important. Et là, on gagne l'intégralité du corps. Allez, plus que quelques secondes et on va passer au mountain climber. Allez, on se met sur les bras et on donne tout pendant 30 secondes. On gagne bien les abdominaux. C'est parti. Allez les filles, on refait un peu de cardio pour bien faire fondre la graisse. Et comme ça, on sollicite un petit peu les muscles de tout le corps. Allez les filles. On lâche rien. On souffle plus que quelques instants. Et on se repositionne en gainage
Encore 30 secondes. On lâche rien. On inspire et on souffle. Allez les filles. On gagne bien tout le corps. On respire, on ne reste pas en apnée, je vous le rappelle. Allez, plus que quelques instants. On lâche rien. Le dos bien droit. Allez, 3, 2, 1 et on revient. On se décontracte un petit peu et on va repasser à un deuxième circuit. On décontracte les épaules, c'est souvent là que vous avez mal en premier. On inspire et on souffle, on fait une petite pause. Buvez un coup si vous voulez. On va repartir pour un deuxième circuit en quelques instants. On se réinstalle, c'est parti. Allez, go. De nouveau, 30 secondes. On gagne le ventre, on rentre les abdominaux, on serre les fesses, on contracte bien les épaules, le dos. On est gainé, dur comme une planche. On ne bouge pas. Statique. Le gainage, c'est un très bon exercice de renforcement de l'ensemble du corps et de la sangle abdominale pour avoir le fameux ventre plat. Allez, plus que quelques instants, on passe sur les bras et c'est parti pour les mountain climbers. Allez, on lâche rien. On respire. Plus que quelques instants. Allez les filles, on tient. On lâche rien. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on se repositionne cette fois-ci sur le côté. On va faire 30 secondes de gainage latéral. Allez, on tient les filles. On reprend son souffle. On donne tout, c'est bientôt la fin. Allez les filles. C'est parti. Ça va brûler sur le côté. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est bon. On se relâche un petit peu puisqu'il nous reste un troisième circuit. On décontracte les épaules. Ça va commencer à chauffer. Surtout si vous n'avez pas l'habitude. On va faire au total 4 minutes 30 de gainage. Allez, on se décontracte, on souffle, on s'étire, on se repositionne. On va se réinstaller pour du gainage de face. C'est parti pour 30 secondes les filles. Allez, go. On gagne bien les abdominaux, comme toujours. On respire. C'est le dernier circuit de toute la vidéo avant de passer aux étirements. Alors vraiment, on se donne à fond, on lâche rien. C'est le moment ou jamais. Hein. Si vous ne le faites pas, vous allez regretter à la fin de la vidéo. Alors faites-vous un peu de mal. Allez, on tient. C'est dans la tête. Allez, 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 allez. On lâche rien. Je sais qu'il y en a certaines qui ont envie de lâcher. C'est pas le moment. Allez, 3, 2, 1. On passe sur les bras et on donne tout pendant 30 secondes. On respire bien. Allez les filles, on gagne les abdominaux. On respire. Ça commence à être dur, c'est normal. Allez, on lâche rien. Allez, 3, 2, 1. On passe au gainage sur le côté. Je me mets de dos, mais je ne vous abandonne pas. 30 secondes également. Ah, j'ai envie de décontracter mon épaule droite là. C'est la fin. On respire, on souffle. Ça doit brûler de votre côté gauche si vous êtes du même côté que moi. On respire. On se tient bien droite. Je ne fais pas quasimodo. Contracte bien les abdos. On profite de la vue et du beau temps.
et on est contente, c'est la première séance du BAS. Moi, en tout cas, je suis trop contente de recommencer cette série de vidéos avec vous. Et c'est terminé, on relâche les filles. Venez vous installer sur votre tapis pour entamer la relaxation. On va s'asseoir en tailleur pour commencer. Allez, on lève les bras au-dessus de la tête, on s'étire, on inspire, on souffle, on peut fermer les yeux pour se relaxer et s'étirer. On descend les bras, on recommence, on s'étire bien, on inspire, on souffle, on relâche les bras une troisième fois. Surtout, on ne boude pas les étirements et la relaxation en fin de séance, même si je suis d'accord, on est toutes tentées de le faire. On va plier un bras pour venir étirer les triceps. On tire doucement dessus, hein, on ne s'arrache pas un bras, on ne se fait pas un claquage. Là, c'est juste le but, c'est juste de se détendre et de venir en fait relâcher ses muscles. On change de bras, on tire très doucement. On inspire et on souffle. On refait pareil de l'autre côté. On inspire et on souffle. Une dernière fois avec le bras gauche. On va venir rattraper ses paumes de main derrière. Mais on va venir étirer. Je vous montre de profil ce que ça donne. On va venir étirer l'avant de ses épaules. Et après, on va étirer le dos. On inspire. Et on souffle. On se positionne maintenant avec les jambes tendues. On va venir attraper sa pointe de pied et on va essayer de se détendre au maximum. Si on n'y arrive pas, on attrape ses chevilles ou on peut mettre carrément les mains derrière les pieds si on est hyper souple. Le but c'est ici, c'est pas de faire de la performance. Hein. C'est uniquement de se détendre et d'éviter les courbatures de main. Allez, on se détend tranquillement. Il fait beau. On se relâche. On revient. On étire les bras au-dessus de sa tête, on inspire et on vient descendre de nouveau. On respire bien les filles et on souffle. On va venir maintenant se mettre en tailleur et on va essayer d'ouvrir au maximum ses jambes. Donc on rapproche les pieds de son ventre et on descend les genoux le plus possible. On peut un petit peu s'aider comme ceci, mais je vous le répète, le but, c'est pas en fait de se faire un claquage aux adducteurs, hein. C'est juste de venir se relaxer et détendre les muscles qui ont travaillé. On essaie de redresser son dos, on inspire, on souffle. On va venir croiser sa jambe droite par-dessus la jambe gauche et la fesse droite doit absolument toucher le sol. Vous ne devez pas être la fesse en l'air et ça va venir étirer vos fessiers. On va bien travailler pendant cette séance et on va regarder du côté opposé. Le dos bien droit. On inspire et on souffle. On inspire, on souffle. On change de jambe. On vient étirer la fesse gauche. On inspire et on souffle. On inspire, on souffle et on va venir se relever en position debout. Allez filles, c'est parti. On étend ses bras au-dessus de sa tête. On vient étirer sa colonne vertébrale. On descend les épaules. On inspire, on souffle. Et on va venir étirer sa taille. On regarde du côté opposé, on se détend tranquillement, on échange, on vient s'étirer tout là, de l'autre côté, et voilà les filles,
Et voilà les filles, cette première séance du BS3 est enfin terminée. J'espère que vous avez les cuisses et les fessiers qui ont bien travaillé. En tout cas, prenez bien soin de vous, reposez-vous d'ici 2 jours parce qu'on se retrouve mercredi pour la 2e séance du bikini avec Sissi 3 spécial haut du corps. Je vous embrasse très fort et à mercredi. Ciao ciao les filles.